Au masque! En voici la mascotte. Allez, fous le camp. Oh, masque, beau croisé. Eh oui, on se retrouve avec le maître des mots en invité, Pierre le Sage, voilà. Donc, on va laisser Pierre le Sage présenter ce qui va se passer. Oui, mais... alors c'est parti pour une deuxième partie. Hein. Beau croisé. Beau croisé, un méga beau croisé. En effet. Jusqu'à 600 000 euros, et non. C'est parti. En effet. En effet. On vous en a fait la démonstration de cet effet avec Pierre le Sage, voilà, en invité. Alors, je pense que tout le monde l'attend. Qu'est-ce que vous attendez? Le récital. Exactement. Voilà. C'est parti. Réel de ce zeste de plein gré. Je suis en repos de cette griffe car enfêtée. Car enfêté de cet état, sans serait capital, et pourquoi pas vrai de ce tropique. C'en est égal quand ça dépend, je vais t'en détecter de cette CIO, Pierre le Sage. Tu en jubiles, livrant, et tu en émanes comme un illustre gay. Envoie l'île de l'été car ça en dépend. Mais vaste, vaste, d'augure, tu vas trouver cet épervier qui en est spécial de ce flux. Vide de bracelet, oui, il essayera de ce vif flux, car s'en sert. J'en détire la coiffe. En voici le récital qui en est effectué. Voilà, avec Pierre le Sage, je pense qu'il en est ravi de ce récital. Oui. Alors, pouvez-vous nous parler un peu de la mascotte, le temps qu'on s'occupe de la première lettre? De la petite chatte. Exactement, elle est sur Snapchat. Et on attaque ça avec le M de merde. Tout de suite. Tout de suite, sans plus attendre. Car j'en ai marre de ce plomb. Il n'y en avait que deux, hein. Oh là 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 là. Il n'y en avait que deux, hein. Petit salopio. Salopio, que tu en émanes de ce S. Le S et le M de sadomaso. Ou bande de chafouin. Le repos de ses réserves avec ce second S qui est mal placé. Sage. Comme Pierre le Sage. Comme une image. Comme Pierre. Illustre. Regardez comment j'en suis illustre de cette scie, car j'en serai lisse de ce roi. Vaste et un vaste en est un sou spécial dont je me sers, dont il se sert, troisième personne du singulier, car il y a un T à la fin, comme le T de ta gueule. Ben, normal, c'est mot croisé. Hein. Ils en ont eu de ce zeste. De ce zeste. C'est du langage de citron, au lieu de dire le geste. Ils en disent le zeste. Ainsi vint le F de fumier. Fatima, c'est la même chose. Exactement, bande de fumier. Double F de cette griffe que je vais en fêter. Et qu'on ne voit nulle part ailleurs, il me semble. Mais il faut. Je bonus numéro 1, avec je ne sais pas combien il y aura de gains. Et nous en resterons, Pierre le Sage. Vif de ce flux. Vif de ce flux, oh masque. Voilà. Mot croisé. Fier comme un âtre. Exactement. J'en suis fier comme un âtre. La hache,
la hache de ce duel de Drakkar. Harald Brock. Eh oui, Ragnar le Rouge en était un nordique. Mais on voit, on cherche comme des congés cette hache de ce duel de Drakkar. Bah, pourquoi pas dans ce zénith? Pourquoi pas dans ce zénith? Ah ben, c'est bien beau, ça. De ce duel de Drakkar. Regardez ça. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Maudit soit ce X à tout jamais. Me croiser. Enfin, revient ce putain de X de merde. Ah, putain, alors. Nous l'avons qu'une seule fois. En plus, c'est carrément inutile dans le flux. Dans le flux. On préfère se contenter de sauter de ta gueule. Je t'en ferai tout un état. Bien sûr. J'en ai le zeste. Ça, je répète, car il en faut. Car le geste, on dit normalement, et pas le zeste. C'est du langage de citron ou d'agrumes. Cherchez pas à comprendre ces mots croisés. Car j'en suis livrant pour en détecter. Pour en détecter l'été. Ça s'appelle de la poésie. J'en ai les talents de barde. Mots croisés. Cette grille inférieure en est vaste. Qu'elle sera en trouvée. Quoi que ça sert. Ce bracelet. Mais bien sûr, je vais l'en fêter. Ça en restera capital. En découvrant notre première voyelle. Oh, mais putain, c'est pas trop tôt. Hein. La griffe. La griffe. La griffe comme ça. Le ri de ce pays de pangolins. Est-ce que c'est vrai? Car dans les pays de pangolins en sont en dessous de ce tropique. Quand c'est trop, c'est tropico. Ouais, vous en connaissez la saveur de cette boisson. En voie que j'en jubile de cette île. On en sera les rois. Lisse, mes livrants, j'en serai gai. Et pourquoi pas illustre de cette scie. Mots croisés. Le zénith. Ainsi que le thé. Ne pas l'oublier, bien sûr. Finissons les i. Eh oui, ça ira de ce vide qui en serait spécial et pourquoi pas vif. Un épervier qui vole au-dessus de toi comme un rapace. Mots croisés. Le L. Que va nous dire ce L? Peut-être qu'elle en est réelle. Qu'en pensez-vous? Oui. Il faut que vous ayez un peu plus de paroles que ça, jeune noob. Sinon, sa mère était égale de cette île. Ah, tu en jubiles quand c'est lisse. Et le flux de ce vif spécial, de ce bracelet. À cette heure-ci, je comprends pourquoi un peu vous avez du plomb dans l'aile, jeune noob. Ouais. Allez, dites-nous pourquoi. Il est un petit peu 2h du matin. On s'en branle. On va se trouver avec le dé. Même si c'est 2h du matin, même avec le dé, eh ben on va te dire des merdes, toi. Allez, Dédé. Allez, Dédé. Ouais. Allez, ça dépend. Hein. Déjà avec ce premier dé qui est mal placé, mais le second. Ça dépend. Exactement, jeune noob. Voilà. J'en suis égide. Ça veut rien dire, mais on s'en branle, c'est du mot croisé. Me croiser. Le méga. Ah oui, il est méga. Des mots de merde, t'en veux? Eh bien là, t'es servi. Le J de j'en ai marre. Ha, lettre de merde. Putain, je le trouve même pas. Aidez-moi à trouver ce putain de J de merde. Ah oui, en plus, regardez-moi ça là. Ah, j'en jubile. Ah, j'en jubile. Oui. J'en jubile. Ah, j'en jubile. Savez-vous la définition d'en jubilé? Vous connaissez pas la définition d'en jubilé, jeune noob? Si, jubilé, si. Eh oui, expliquez-nous un peu ceci à nos disciples.
car le rat, en étant en repos, j'en te ferai un envoi de cet égo. On attend la définition de Jean Juby, le jeune noob. De Jean Juby. Eh oui. De jubilé. Eh, qu'est-ce que ça veut dire, jubilé? Être heureux. Exactement. Ou alors savourer ces moments mots croisés. Être heureux d'être avec le maître. Exactement. Et là, regardez-moi ça. Le C de connard. Alors, il est aussi. Car ça en restera capital. Car ça en restera capital. Alors, cette scie. De ce bracelet, bien sûr. En est spécial. Eh ben, c'est pas très jojo tout ça. C'est sympa. Qu'est-ce que ça veut dire, cette lettre de merde? Le riz de ce zeste, je te l'enverrai dans ce zélite. Me croiser. Je vous attends que vous soyez un peu plus participatif à ces grilles de me croiser, jeune noob. Que vous inspire je cette lettre? Je suis qu'un noob. Ah oui, qu'est-ce que vous inspire cette dernière lettre? Le cul. Eh ben, ça veut dire que tu l'as dans le cul. Alors, il est où celui-là? Ici. Bien vu, jeune noob. Petit cul, là, tu l'avais pas vu, ce petit un cul? Un petit cul, oui, oui, sous les tropiques. Vas-y, Frankie, c'est bon. Vincent sous les tropiques, on vous en a fait la démonstration. Voilà, avec le maître des mots, on a invité Pierre le Sage. Voilà. Ça va pas nous empêcher de continuer avec le P de putain de merde. Ah putain. Le repos. Oh, lettre oubliée, le I. Ils ont pas très généreux avec les P, hein. Là, 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 là. Car ça en dépend. De ce pestacle, ah non, de ce spécial. Vous voyez, on a aucun P. Ah, bien vu, jeune noob. Dans le plomb. Ah. Est-ce que le B est tombé? Merci d'avoir trouvé dans ce tropique de Francky Vincent. Le G de Gogol. Alors, déjà, le premier G de Gogol qui est mal placé, ainsi que le second. Déjà, ça va pas nous avancer grand-chose. J'en resterai gai. Mais ça m'est égal, car j'en ai l'ego. J'en ai l'ego. Restez sage. Restez sage et guide. Et guide. Ouh, une lettre oubliée de « et guide ». On avait oublié le « i », bien sûr. Il manque le « a », là. Ah oui, là, il faudrait que... Le V de va te faire foutre. Non, mais c'est vrai, quoi. Non, mais c'est vrai, quoi. J'en reste livrant. Livrant comme un livre. Et non pas comme un magazine. Beau croisé. Vaste, mais vide. Vaste, mais vide. Que cela vous inspire? Et pourquoi pas vif? Vif comme un gardon. Eh oui, oui, vif comme un gardon. Et vif surtout comme la vue de cet épervier. Un mot croisé. Et on va attaquer la dernière lettre tous ensemble. Attention, préparez-vous. Je t'en ferai tout un état. Ah. Car. C'est A. Oui, c'est le A. Oula. C'en est capital. C'en est capital, quoique ça peut être vrai. Pas mal, là. Égal. Et pourquoi pas gay, j'en serai livrant. On avait besoin du A. Sage, et il faut.
Il faut en rester vaste. Car ça ira. J'en serai spécial de ce vide. Mais tu nous avais prévenu que le A irait très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut en conclure? Pas grand-chose. Il me semble. As-tu vu mettre des mots? Le R est-il tombé, non? Non. On vous laisse 2 minutes de répit pour vérifier si c'était grillé de mots croisés. Dis ces lettres. J'en resterai vaste. Malheureusement. Essaye de repérer le R, jeune noob. Non, il n'y en avait pas de R. On l'a pas eu. Non. Il n'est pas tombé. Ma foi. Voilà. Donc vous avez compris la musique, hein. Vous avez compris la musique, hein, il me semble. Hein. C'était le maître des mots en invité, Pierre le Sage. C'était méga beau croisé. Voilà. Donc allez, à la prochaine. Voilà. Dernière grosse vidéo, saison Cantal. On se retrouvera pour les grosses vidéos. À la prochaine saison. Allez, ciao, à bientôt.